Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec le livre que vous attendez sûrement sur cette chaîne. Ne serait-ce pas le sorceleur qui va apparaître sûrement en fin de cette vidéo, peut-être, mais il y a du bon quand même avant, donc je vous conseille de regarder tout. Et on commence tout de suite. Un livre que j'ai lu et que j'ai bien apprécié, il s'agit de la suite, attendez, un marque-page à sortir avant, Rebelle du désert, donc de Eileen Hamilton chez PKJ. J'ai lu le premier tome il y a moins d'un an, je pense. Rappelez-moi si vous vous en souvenez, mais moi je crois que oui. Donc c'est de la fantasy young adult dans le désert. Cœur désert, j'adore. Bref, tu suis une jeune fille qui a les yeux bleus. Alors c'est pas trop le type du coin, quoi. Et qui est élevée par ses oncles. T'as vraiment un côté très arabophone dans l'histoire. Et donc cette fille, en fait, elle est soumise à beaucoup de lois, de préceptes, c'est le désert quoi, la femme elle est pas super bien vue, jusqu'au jour où elle va sauver la vie de Jean, et Jean c'est un homme qui sait très bien servir d'un fusil, et qui va un peu l'embarquer, donc elle va devenir le bandit du désert, bandit aux yeux bleus, et Jean en fait s'avère être un jeune homme qui est recherché par le sultan, voilà, tout le monde veut sa peau, et il est, c'est un peu compliqué, mais un des enfants de ce sultan, mais un enfant non souhaité. Et en plus, bah, la jeune fille, vous apprendrez toute une mythologie avec les djinns, qui sont des créatures mythologiques musulmanes, arabes, qui sont très intéressantes. C'est une de mes créatures mythologiques que j'adore le plus. Et donc, y a un petit... vous vous doutez bien que comme dans les histoires de young adultes, il y a un petit truc qui va se passer. Bref, dans le tome 1, elle se mène à la rébellion qui va essayer d'affronter le sultan et mettre le vrai héritier au trône, quoi. Et donc, dans celui-ci, c'est un peu la galère. Elle va se retrouver dans le harem du sultan en fait, et un peu sous l'emprise de ce dernier. Il y a beaucoup de petits trucs politiques, et ce que j'ai vraiment aimé c'est ce côté harem, rien de sexuel, hein, on n'entre pas là-dedans, mais oui sous-entendu, mais pas là-dedans, mais c'est de la young adult. Ce qui est intéressant c'est que c'est les femmes en fait qui jouent du pouvoir comme ça, et c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de charme et de contre-pouvoir, et elle, elle est au milieu de tout ça, sachant que... il se doute quand même qu'elle est mêlée un peu à la rébellion. Et donc elle va devoir s'en sortir là-dedans. Et c'est pas facile. C'est très dur comme récit dans le sens qu'il y a beaucoup beaucoup de morts. Alors là on a tué quasiment la moitié du casting du livre quoi. Il n'y a plus personne, il reste plus grand monde. La fin en plus elle est déchirante. Bref, il y a beaucoup d'exécutions avec des personnages qui sont assez jeunes. Donc c'est vrai que t'as des filles qui tombent enceintes à 16-17 ans et qui sont assassinées après, tu vois. Donc c'est vraiment assez... c'est creepy dans le truc. C'est un livre qui est très féministe aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Pour les jeunes filles, c'est vachement bien parce que ça te donne une image d'une femme qui... aime sa patrie, du genre c'est pas du tout la question du voile, du genre il porte beaucoup de tenues, c'est pas du tout cette question là, c'est juste le fait que tu peux porter le voile et être une femme libérée, et je pense que ça ne va pas dans la tête de tout le monde, mais tu peux, et ce livre il te le montre bien, elle est, voilà, elle s'exprime, elle se bat, tout, moi j'aime trop, et en même temps voilà, elle respecte les coutumes qu'elle apprécie et dans lesquelles elle a grandi. Et j'aime beaucoup cette histoire qui, voilà, le côté désert m'a beaucoup plu aussi. Vous devez commencer à comprendre que j'aime beaucoup ça. Et il y a encore un troisième tome, c'est une trilogie, que j'ai hâte de découvrir. Et je vous conseille vraiment cette série. Si vous voulez commencer la fantasy désertique, voilà, arabe un peu, c'est vraiment sympa, c'est pas difficile de lecture. Et c'est beaucoup mieux que Sherazade de Mille et Une Nuits, où là on parle quand même de kidnapping de jeunes filles et de syndrome de Stockholm. Là t'es pas du tout là-dedans, hein. T'es du tout dans le syndrome de Stockholm et ça fait du bien, parce que c'est pas bien. Donc voilà, je vous conseille cette série. En continuant dans la jeunesse, j'ai un peu craqué mon slip, parce que j'ai commencé par le tome 1 de cette série, et j'avais les trois premiers tomes, bah j'ai lu les trois premiers tomes en trois jours, hein, parce que voilà, voilà, il n'y a pas d'explication à donner. Il s'agit de Magisterium. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. J'ai juste voilà, parlé du tome 1. Alors de quoi parle cette série de jeunesse? C'est écrit par Holly Black. Holly Black, autrice de The Wicked Prince, que j'adore, que je vous parle souvent, qui est une série qui va sortir chez Rajo bientôt, en faerie. Et Cassandra Clare, l'autrice de la série qui est la série, parce que c'est une série télévisée aussi, The Immortal Instrument. Voilà, deux grandes autrices donc de la littérature jeunesse américaine qui se réunissent pour parler d'une histoire. J'aime beaucoup cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il s'appelle Callum. Déjà, ça part bien parce que c'est un nom à consonance écossaise. Donc déjà, j'étais en mode, c'est bon, je l'aime bien. Callum, c'est
le bolos, c'est-à-dire qu'il est tout rachitique, brun, c'est le Harry de l'histoire, sauf qu'il boite en plus. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances avec Harry Potter, est-ce que c'est pour ça que ça me plaît, ça parle de sorcellerie aussi. Callum, il a sa petite vie. C'est un peu compliqué de débuter une vie où ton père t'élève seul, ta mère est morte et sur son lieu de mort c'est marqué tuer cet enfant. Bienvenue dans la vie, ouais. Donc Callum est un peu quand même le seum. Et son père lui dit, il faut pas absolument que tu deviennes un magicien, faut pas que tu le deviennes parce que c'est des monstres les gens qui vont t'emmener dans le magisterium, qui vont te donner des cours. Ils ont tué ta mère, c'est à cause de ça que ta mère a fait la guerre et qu'elle est morte. Bref, le gamin, il est conditionné quand même pour ne pas y aller. Il doit tout de même passer les épreuves, parce qu'à 11 ou 12 ans, il faut passer les épreuves. Et ce con, il est accepté, même s'il est très mauvais, parce qu'il y a un des recruteurs qui a élevé son père, qui a bossé avec lui, quoi. Callum va donc rentrer au magisterium et se faire des amis. Un garçon et une fille. Un garçon qui est l'élu. Et c'est le Ron Weasley de l'histoire, en fait, j'ai hâte de comprendre. L'élu est une jeune fille très intelligente et richissime. En fait, c'est, au début, ça fait vraiment Harry, parce que c'est sous terre, mais tu vois, t'as des cours, t'as des personnages, du genre, t'as un peu le Drago Malfoy. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Yes !» Genre, le gamin s'appelle Jasper, il est insupportable, il est jaloux, bref, j'ai fait « Bienvenue dans la team, je t'adore, quoi !» J'étais trop contente. Ouais, mais bon, tu suis Callum, et en fait... C'est un personnage qui est brisé un peu par la vie. Bon, il a 12 ans, hein, mais il est un peu brisé, il part pas très bien. Et il va donc être accompagné de ses amis et l'élu. L'élu, en fait, c'est celui qui peut contrôler la magie du chaos et qui va donc mettre fin aux opposants qui veulent du mal, donc, parce qu'il y a des méchants dans l'histoire. Sauf que Callum, vous allez apprendre ce qu'il est en plus après, et c'est un peu le bazar. Bref, le premier tome, c'est un tome de découverte. Ils ont 12 ans, donc voilà... C'était hyper intéressant pour ça. Bref, belle petite histoire. Dans le deuxième tome, il doit partir à la recherche de son père qui a volé un document extrêmement important et il veut pas que son père soit en prison. Bref, ils partent tous les trois alors qu'ils ont l'élu, l'enfant que tout le monde doit sauver dans l'équipe. Bref, tu comprends que tout le monde veut les récupérer. Et dans le 3, il y a une jeune fille qui se fait assassiner au magisterium et donc ils essayent de savoir qui c'est. Et quand... Je vais pas vous faire la révélation de qui est Callum, mais Callum est un personnage... extrêmement important de l'univers, mais là il est dans le caca à la fin de ce livre et j'ai vraiment envie de lire la suite. Ça m'a plu parce que ça ressemble au début Harry Potter et après ça s'en détache quand même. Voilà, c'est toujours les petits moutards qui vont se mettre dans les ennuis, mais c'est toujours eux qui sont dans la panade. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment sympa comme littérature jeunesse, j'aurais adoré lire ça quand j'étais plus petite. Même si là je prends mon pied quand même pour le lire, hein, je dois l'avouer. C'est très jeunesse, c'est pour ça quand les gens... J'ai vu qu'Eragon, ça vous avait pas plu que je critique ce livre. J'ai vu, j'ai compris le message. Mais j'ai l'habitude de lire de la fantasy jeunesse. Hein. Donc c'est pas le fait jeunesse de l'histoire qui cause problème dans Eragon. Il y a autre chose. Là, c'est vraiment sympa, je vous conseille. Même en tant qu'adulte, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Et il y a encore 2 tomes et j'ai hâte de savoir la suite. Mais il faut que je me les procure en occasion parce que 17€ pour 2 heures de lecture. Hein. Pour moi, c'est pas très, ça va très vite hein, ce genre de roman. C'est court, mais l'univers est vraiment sympa, je vous conseille vraiment. Et là, on va passer à de la fantasy adulte. J'ai beaucoup aimé, mais vous m'avez tellement dit que c'était de la balle que je suis un petit peu déçue. Parce que c'est pas le meilleur pour moi de l'auteur pour l'instant. Il s'agit du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Alors, c'est l'histoire de 3 hommes qui ont perdu la mémoire, qu'on trouve dans la montagne et qui sont pourchassés. Voilà, juste ça. 3 hommes très différents. J'ai trouvé que c'était très introductif comme histoire, parce que bon, ils ont perdu la mémoire, donc c'est bien à ce que tu découvres l'univers, c'est une bonne trame scénaristique de début, c'est bien trouvé. Mais le truc, c'est que j'ai eu du mal à m'attacher à tous les personnages principaux. Il y en a 2 sur les 3 que j'aime bien, il y en a un, il m'agace un peu. Je sais pas pourquoi, mais il me plaît pas trop. L'univers est très bien. Alors l'univers est super, franchement, ça me tente, mais je pense que c'est le fait que j'ai pas trop apprécié ça, que... Le début, c'est vraiment du genre, on a perdu la mémoire, on découvre, il est très introductif. Et je pense que c'est vraiment le côté introductif où il n'y a pas non plus extrêmement de choses qui se passent. Moi, avec Gabriel Katz, le problème, c'est que la maîtresse de guerre, c'est un page-turner, il y a toujours des trucs qui se passent, t'as envie de dévorer les pages. De la part des ombres, pareil, il y a plein de choses qui se passent, t'as envie de dévorer les pages. Et là, on est sur quelque chose de plus introductif. Donc c'est pour ça, ça m'a un peu désarçonné. Par contre, c'est toujours aussi bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'image de la femme dans le récit. Parce que je tiens à dire ça, parce que j'avais critiqué Olivier Guay
pour les épées de glace, pour l'image de la femme qu'il avait dedans. Et je me suis dit, est-ce que c'est la fantaisie française qui veut ça, tu vois Et en fait, non, tu vois, là-dedans, t'as une fille qui a des formes et qui reste, tu vois, la concubine potentielle d'un des personnages qui se dit, voilà, je m'en fiche un peu de son physique, c'est sa personne à elle qui me touche. Il y a une princesse folle dans l'histoire, elle est vraiment timbrée, elle me fait vraiment peur, donc j'ai vraiment envie de découvrir la suite. J'ai le tome 2 et j'ai pas encore le tome 3 dans ma palle, mais j'ai le tome 2, je vais bientôt le lire, hein, faut pas... J'ai Gabriel 4, j'ai envie de lire beaucoup de lui en ce moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand t'apprends ce qu'ils ont fait, t'as envie de savoir pourquoi ils ont fait ça. Donc en même temps, t'as ce côté, j'ai envie de savoir, mais j'ai été un petit peu... La deuxième partie du livre m'a plus plu parce qu'on est... Donc quelque chose qui est un peu plus mouvementé. Mais le début, c'était un petit peu long quand même. Donc c'est le seul bémol que je peux dire, mais c'était un très bon livre. Je vous conseille Gabriel Katz et cette série, tout le monde conseille cette série, parce qu'il paraît que c'est sa meilleure avec Aeternia. Donc voilà, je pourrais vous donner un avis complet que quand j'aurai lu la trilogie en entier, mais celui-ci, il est très introductif pour l'instant. Et je tenais à dire que Gabriel Katz, c'est quand même très accessible. C'est de la fantasy, mais c'est pas non plus de la fantasy hyper poussée. C'est de la fantasy réaliste, vous savez, comme un peu... Pas Game of Thrones, parce que c'est pas aussi compliqué, mais c'est quelque chose qui est plus abordable. Alors peut-être pour commencer la fantasy, ça pourrait peut-être plaire, parce que c'est quelque chose de plus... Ouais, de plus abordable, on va dire. Et enfin, ah, vous l'attendez, celui-là, hein. Moi aussi, je l'ai attendu, j'ai patienté devant ma boîte aux lettres. J'ai même envoyé un message à l'éditeur parce que je voyais pas le livre dedans. J'étais en mode, oh, je veux le lire. Donc, il s'agit de... Petit sorceleur. Le tome 6, La Tour de l'Hirondelle. Alors, je suis conquise. Je ne vais pas vous dire encore de lire Le Sorceleur parce que... Allez voir une de mes anciennes vidéos. Je parle du sorceleur tout le temps. Je vais pas vous reparler de l'histoire, de la petite vie de Geralt. Là, je vais vous parler de La Tour de l'Hirondelle qui est le plus gros. Alors là, t'as de la lecture. J'étais en mode... Je vais le déguster, tout. Ah, j'étais contente. Il fait 600 pages presque. Oui, il fait 500 pages. Bref, j'étais aux anges. Tu suis Ciri. Donc Ciri, c'est le personnage qui avait disparu depuis un ou deux romans, où j'étais en perpétuel manque d'avoir son point de vue, parce que c'est une jeune fille dans un monde extrêmement dangereux et qui a un rôle très important. J'étais en mode, pourvu qu'il ne lui arrive rien, il va lui arriver des choses. Donc tu suis une grande partie Ciri. Ce qui lui est arrivé, alors moi ça m'a brisé le cœur parce que cette gamine, elle lui arrive tellement de choses horribles. C'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est un univers que j'aime beaucoup parce que Andrzej Sapkowski, le livre il est sorti quand même il y a quelques années. Je pourrais pas... Est-ce que c'est marqué quand est sorti Le Sorceleur la première fois? Mais c'est bien un livre qui a dû sortir dans les années... Ouais, il est sorti en 97. Donc voilà, ça fait 22 ans qu'il est sorti. Et il porte des personnages LGBT. Il porte des figures très différentes, des femmes hyper fortes. Je suis désolée, quand on compare avec d'autres livres de l'époque, je le trouve hyper novateur. Et rien que ça, je tiens à souligner, parce que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette série. Donc Ciri va faire rencontrer un homme dans les bois et lui raconter son histoire. Elle est dans un état, quand il la retrouve, elle est presque morte. Donc t'es dans ton cœur pourvu qu'elle survive. Voilà, mais c'était génial. Alors t'as Ciri, je vais pas vous dire ce qui lui arrive, mais c'est affreux, c'est beau. Et la fin, il y a une scène sur une espèce de glace avec des assassinats. C'est tellement poétique, c'est beau, c'est décrit avec de la lumière, de la glace. T'es en mode, tu n'imagines tellement. Mais c'est tellement cinématographique que j'étais en mode, si la série de Netflix va montrer cette scène, mais je l'attends, cette scène, mais vraiment je l'attends. Tu suis Geralt, mais très peu. Et t'es en mode, je l'aime trop Geralt. Il se met trop dans les ennuis et je suis en mode, mais... Mais elle est là, quoi, elle t'attend et elle sait pas que tu la cherches. Vous voyez le bon désespoir, je m'implique trop dans la lecture. Et tu as un autre personnage qui était soi-disant mort. Quand j'ai su qu'il était vivant, j'étais en mode... Bon, non, c'est pas s'il est mort encore, mais j'étais en mode... J'aime trop. Donc, ouais, non, c'était génial. Je vous conseille cette série. Il en reste un tome, parce que j'ai la saison des orages qui est le dernier tome. Voilà, c'est un tome qui est sorti avant. La publication de chez Bragelonne est un peu... En fait, la série commence au tome 3, Le Sang des Elfes, le grand cycle avec Ciri. Et donc, bah là, j'attends le dernier cycle qui doit sortir au mois de novembre, il me semble, pour avoir le fameux de cette histoire qui me brise le cœur. Mais c'est très poétique et la fin te laisse encore en suspens de ouf. Bref, je vous conseille cette série, ce tome était hallucinant.
comme toute cette série. Et j'attends, comme bon nombre d'entre vous, la sortie en décembre, je crois, avec Superman et ses beaux abdos. Bref, on va voir ça parce que Geralt et toute sa clique, j'ai vraiment envie de les voir. Même si le casting, je suis un peu... je suis toujours mitigée, on va dire. Parce que Ciri, même l'actrice, alors peut-être qu'ils vont la maquiller et tout, je n'imagine pas trop comme l'actrice qu'ils ont choisie. Après, voilà, on verra bien. Mais grosse série à découvrir en fantasy. Là, on est sur un classique, les gars. On est sur un livre en disant « Oui, 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 bien sûr, mais moi j'ai lu The Witcher, je ne me suis pas contentée de jouer aux jeux vidéo. » Voilà, parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, mais déjà, jouer aux jeux vidéo, moi, j'y ai pas encore joué. Mais j'ai vu qu'il sortait sur la Switch, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais tu pourras dire, lors de dîners mondains ou de parties de jeux de rôle un peu enflammées, que tu as lu The Witcher et que c'est de la bombe littéraire. Donc, à lire absolument. Voilà, je me suis un peu trop enjaillée. Ça se voit, dès que je parle sorceleur, je m'enjaille un peu beaucoup. Voilà, donc, désolée pour ça. Et n'hésite pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de très bonnes lectures et une très bonne